Allez, vous avez la parole avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir. Cette bonsoir grosse frayeur pour les passagers d'un Boeing. Et oui, encore une mauvaise publicité pour l'avionneur américain. Après la porte qui se détache en plein vol, nouvel épisode de cette série d'incidents sur des Boeing, le capot d'un moteur qui se détache au moment du décollage. Les passagers ont filmé la coque du réacteur qui semble se disloquer sur ce 737. C'était hier à Denver aux États-Unis. L'avion est donc redescendu à l'aéroport. Tout le monde est sain et sauf, heureusement. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Gérard Felzer, spécialiste de l'aéronautique, ancien pilote de ligne et président de l'ONG Aviation Sans Frontières. Bonsoir Gérard Felzer. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Alors, comment un capot moteur peut se détacher comme ça? Est-ce que c'est fréquent? C'est vrai qu'on se demande pourquoi le pilote n'a pas interrompu le décollage. Alors d'abord, ça arrive, malheureusement, très peu. On a même vu des moteurs qui se détachaient complètement de l'avion. Ah, sympa. Il n'y a pas si longtemps, sur un A380. Oui. Et donc, aujourd'hui, évidemment, on peut se poser la question de savoir pourquoi on n'a pas arrêté le décollage. Eh bien, il y a une vitesse qu'on appelle la vitesse critique, c'est environ 250 km/h. Au-delà de cette vitesse, on n'a plus assez de pistes pour s'arrêter. Donc, il faut à tout prix décoller, même s'il s'agit d'un seul moteur en état de validité. Donc voilà, c'est on a entendu le commandant de bord de l'avion là, et bien il a fait son job tout simplement, il a appliqué les procédures et c'est très bien. Alors cette série d'incidents tout de même, est-ce que ça révèle pas un dysfonctionnement au sein de l'entreprise Boeing? Alors il y a Boeing et il y a Southwest aussi. Il faut se poser la question de savoir comment ces avions ont été entretenus, et ça c'est la compagnie aérienne. Maintenant il faut voir les liens entre Boeing et les compagnies aériennes. Il est vrai que Boeing nous avait habitués à sortir des merveilleuses machines. Moi-même j'étais pilote sur 747, sur des avions 777 également, le dernier Dreamliner. Mais on s'est aperçu que ils n'étaient plus les leaders. Le leader aujourd'hui, ben c'est Airbus. Et là, panique à bord, surtout chez les financiers qui ont remplacé, qui ont pris le pouvoir des ingénieurs. Eh bien, il fallait répondre au plus vite et sortir un avion pour concurrencer l'A320neo notamment. Eh bien, une course contre la montre. On peut dire qu'ils ont été peut-être un peu trop rapide en faisant quelques impasses. C'est pas bon pour l'image, c'est pas bon pour Boeing et ça baisse. Et là, c'est un argument qui tient. 30% de moins à la bourse, et puis c'est pas bon pour les compagnies aériennes. Donc Boeing n'est pas mort, mais il est assez mal avec tous ces incidents récurrents. L'avenir de Boeing est menacé selon vous, ou on n'en est pas à ce point quand même? Alors Boeing a la chance, si j'ose dire, d'avoir un secteur défense où ils vendent des avions aux militaires assez chers et qui viennent compenser de loin, en tous les cas, les dettes accumulées avec l'arrêt de ces appareils. Ce Boeing 737, ça leur a coûté déjà 20 milliards de dollars, mais ils ont un portefeuille qui est quand même assez conséquent, ils vont s'en remettre. Donc, ça reste une grande compagnie, de grands industriels. Simplement, il faudrait qu'ils mettent un peu la pédale douce sur la rentabilité plutôt que la recherche et le développement. Merci beaucoup. Gérard Felzer. Non, je me demandais juste, est-ce que la question de la responsabilité de la compagnie peut être en cause, Southwest en l'occurrence, sur les questions d'entretien dans des cas comme ça? Mise en danger de, je sais pas. La vie d'autrui, oui. Oui. Absolument, il faut se poser la question. Il y a des échanges permanents, tous les incidents qui ont lieu dans le monde avec le même type d'avion, les compagnies sont tenues de les respecter, de les faire appliquer. On les répète en simulateur, moi j'ai fait très souvent, pour pouvoir se prémunir d'actions concrètes. Merci en tout cas beaucoup d'avoir été avec nous.